Donc voilà, pour faire la course, j'ai cette Porsche GT3 996 qui développe 380 chevaux. Donc après, c'est comme une d'origine, le moteur est le même. L'échappement est différent, les suspensions sont différentes, les montées en jante 18 avec des pneus de slick. L'avantage de participer à des courses ou de venir rouler en session libre, c'est qu'on est sur une piste fermée, c'est quand même en sécurité. Et vous pouvez exploiter votre voiture au maximum. Et même, vous pouvez être surpris de tenir le haut de votre véhicule et appréhender sur la route, lorsqu'il y a un problème qui peut intervenir, d'avoir des bonnes réactions. Pour ma part, une course, je la fais pour me faire plaisir. Donc, je ne cherche pas forcément à faire un podium. C'est parti, maintenant je suis chargé comme vous pouvez voir. Donc, je vais faire mes essais. Donc vous voyez, là on a fini les essais, on s'est amusé tous les deux bonnes fois pour rouler ensemble, mais comme vous pouvez voir, on est trempé déjà. Donc actuellement la température elle est pas au maximum, mais je pense que pour les courses de demain et dimanche, ça va être vraiment chaud. L'administratif. Oui. Alors, ce qui est pas bien, c'est que moi je suis mal éduqué, déjà j'ai pas mon passeport. Bon, j'ai quand même ma licence. Myriam, hein, tu vas m'aider. C'est mon numéro de licence. Oui. Je ne savais pas mon numéro non plus. Non, je vais pas t'aider. Bon, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur, d'habitude c'est notre pilote de safety car. Voilà. D'accord. Donc pas de passeport. Le numéro du transport. Voilà, merci. C'est 4, merci. 3, 4, tu as plus long. Ça, c'est le non, ça c'est ton numéro de course. 54, c'est le numéro de course. Ah non, mais le transponder, t'en as un à toi ou tu vas le. Ça y est, je l'ai pris hier. Il fait que tu. Voilà. Non, mais là, le technique, ça me fait pas. Donc tu le rajouteras. Ouais, il est déjà sur la voiture, c'est pas mal. Filme Myriam, ma copine. Trop peine. Ouais, Myriam, je l'ai fait sur ma vidéo YouTube. Trop peine. Voilà, donc, quand t'as fini, elle va te donner la copine. Tu vas voir, j'en fais le numéro. Technique. Voilà. Merci, madame. Allez, c'est monsieur. Bon. Allez, sur ce, on y va, on va aux techniques maintenant. Donc voilà, là on est au contrôle d'équipe, on va faire contrôler le véhicule pour voir que tout soit en règle pour faire la course. Donc j'attends le commissaire technique qui est derrière. On vérifie le harnais,
le baquet. Il y a des dates dessus à respecter, moins de 5 ans. Alors on vérifie aussi les 5 heures. On enregistre les pneus, donc on a 3-6 pneus. Les problèmes sur la mienne, c'est que devant et derrière ne sont pas les mêmes dimensions. Donc j'ai fait le choix de prendre des arrières, en espérant que je n'ai même pas les besoin de les changer. Là, on est opérationnel à faire la course. Allez, maintenant c'est direction le briefing pilote et on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. En fait, c'est pour pas faire des conneries. Assisté de Ernest Bérardino, Gérard Bonnet et Denis Dubos qui sont déjà en action en groupe PC. Allez, on va attaquer et parler des choses qui fâchent. Donc je vous demanderai quand même de respecter leur rôle de course parce que les marqueurs, je suis capable de les faire mettre. Hein. Si le safety car doit sortir dans un premier temps, il sera positionné ici, entre le 14 et le 9. De façon à ce que s'il y a un incident sur le circuit, il puisse aussi bien sortir d'un côté que de l'autre. Donc toujours pareil, tout ce qui est drapeau jaune, on ne double pas. Le bleu, c'est la voiture qui double, qui change de trajectoire et non pas l'inverse. En gros, c'est que vous allez prendre un tour, donc autant le laisser passer, ça ne sert à rien d'aller au carrefour. Donc le rouge, à lisser, donc c'est l'arrêt de la course. Là, celui-là, c'est un avertissement, toujours accompagné du numéro de course. Je précise, le drapeau d'avertissement, on ne s'arrête pas. Et c'est celui-là qu'on ne veut surtout pas voir. C'est le collège des commissaires sportifs qui nous donne l'ordre. Ça veut dire que vous n'allez pas respecter le fou, ou le stop et le faux. C'est que vous avez un problème de transpondeur, ou un problème technique, vous m'en décevez. Celui-là, quand vous voyez, bah, c'est très bien, c'est que la course est terminée. Alors attention! Parce que ça, je le vois régulièrement à l'aide de nom. On n'y passe qu'une fois. La vitesse dans les stands, je ne vous la rappelle pas, c'est 60. Pole position, donc en départ arrêté, vous êtes à droite. Alors la procédure de départ, donc sortie de prairie, donc vous êtes en procédure allégée. Hein. Sortez de la prairie, on va vous donner un verre en sortie des stands. Vous allez partir pour un tour en formation. Vous allez vous arrêter sur la ligne de départ. Vous n'éteignez pas vos moteurs. Et le départ se fait à l'extinction de ces feux. Alors démarrez bien quand le dernier feu est arrêté, c'est-à-dire le rouge, en fait, il est éteint. C'est fini là, donc le briefing pilote c'est fait, le contrôle des X c'est fait, les essais c'est fait, vérification sur l'auto c'est fait, maintenant on va faire les qualifs.
mes qualifs, donc j'ai fait le cinquième meilleur temps. Ça n'a pas été évident, j'ai amélioré mes temps personnels que je faisais lors d'essais en session libre. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo, un petit pouce bleu. Hein, Christophe, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, un petit pouce bleu, ouais, il vous dit oui. Abonnez-vous. Donc là, on est à moins d'une demi-heure de départ de la course.